is a French martial artist with a professional record of 1 win and 0 losses. He is 29 years old, weighing at 77 kilograms, fighting out of Obi Fight, Charles Tessier. Ouais, il représente l'Obi Fight hein, de Paris. L'Obi Fight. L'Obi Fight de Paris. Ouais. And introducing his opponent, fighting out of the blue corner. This man is a Tunisian mixed martial artist with a professional record of 2 wins and 2 losses. He is 25 years old, weighing in at 77 kilograms, fighting out of Cameas and Colmar, Thibaut Rope. Un combat donc dans la catégorie des welterweight. Charles quand même qu'il est, il est grand hein. Il a quand même très longiligne. Ouais. Ah ouais, le jab tout de suite. Jab tout de suite. Ouais, ouais. Profite de son allonge. Ah ça tape tout de suite. Hein. Il y a pas. Oh là là. Oh là. Ah ouais, très très rapide, hein. Très rapide. Charles Tessier qui est en contrôle, Thibaut Rope qui va essayer de sortir de cette position. Ah, qui arrive à récupérer Charles Tessier dans sa garde, entre ses jambes donc. Oh, attention, il veut essayer de lui compresser les côtes, regardez, en saisie, en tend les jambes, pour mettre la pression sur les côtes. Je ne vous cache pas que c'est la première fois que je vois ces gens. C'est pareil. C'est la première fois que je vois ça. J'ai déjà vu à l'entraînement. Je trouve ça très même. La première fois que j'ai vu ça, en compétition, c'est vrai. Je trouve même que c'était une position un peu compliquée, un peu délicate à faire. Mais en MMA, avec la possibilité de frapper, il libère ses mains. Si l'autre décide de partir en ground and pound, il aura besoin de ses mains pour se protéger. Exactement. Je trouve qu'elle a été même un peu osée de sa part de vouloir la faire. Mais ça va, il n'a pas été puni de cette il erreur. Il n'était pas puni, Charles qui arrive à trouver son allonge. Ah ouais, qui est bien stable. Hein, bah, Thibaut Rope qui essaie bien, de renverser, mais non, bien, ça va. Ouais. Il bouge pas, il est vraiment très stable par terre. Il essaie de contrôler le bras, donner d'espace. Super, j'aime bien ce travail. Elle est son bras droit, ouais, le bras droit là. Il n'y a pas d'espace, il n'y a plus de main pour se protéger. Ouais, ouais. Ouais, fait un travail sérieux, hein, de contrôle, des bonnes bases. J'aime bien ce Charles, j'aime bien qu'est-ce qu'il fait, j'aime bien son travail. Des bonnes idées, de bon travail. Bah ouais. Et vous avez vu, hein, il bloque le bras droit de Thibaut Rope. Voilà, et du coup, protéger, il ne peut pas se protéger et il envoie son gauche. Ouais, ouais. Voilà. C'est très malin. Ah, ça c'est excellent, les mains dans le biceps, bon contrôle. Là, on voit Thibaut Rope hein, qui est en dessous, qui varie entre garde fermée et garde ouverte. C'est un peu compliqué de rester garde fermée dans une position où il est. Il faudrait qu'il essaie de sortir. Ça ne marchera pas s'il ferme sa garde. Il faut qu'il trouve des solutions pour essayer de déstabiliser. Moi, je suis un peu de la vieille école dans l'opinion de se dire quand on fait la garde, il faut créer un peu d'espace pour pouvoir se lever. Parce exactement, que là, c'est ce que je pense. Voilà, en jiu-jitsu, on peut faire ça, on peut travailler comme ça. Mais en MMA, il faut sortir. Parce qu'en dessous, si ça reste comme ça, le round est perdu. Donc il faut sortir. Il au coup, il peut venir n'importe. Exactement. Il vient avec exactement. Beaucoup de puissance, avec beaucoup de violence. On est tout à fait d'accord là-bas. Et voilà. Voilà, c'est compliqué. Ah là, c'est compliqué. C'était un peu ça, regardez. Maintenant. Ah, terminé. Ah, quel beau travail. Quel travail. Alors, il peut s'en. Il en veut un petit peu à l'arbitre d'arrêter un petit peu trop tôt, mais c'est ça aujourd'hui. Les arbitres ne veulent pas mettre en danger les athlètes. Et c'est normal qu'il arrête. Il était en danger, il n'était pas en train de se défendre. Donc logiquement, l'arbitre arrête le combat. Non, pour moi, l'arbitre, il a fait un super boulot. Il a arrêté dans le moment où il fallait protéger protéger quand même l'intégrité de combattants. Exactement. Ladies and gentlemen, the referee has stopped the combat in the first round for the winner, Charles Tessier!
belle victoire de Charles Tessier en Ground and Pound sur Tibor Hop. Ouais, qui est déçu, hein, qui est déçu.